Bienvenue dans Live from Télésan. Cette semaine, la danse contemporaine de la compagnie Le Nain Vide, le portrait du trio Frabana à Grigny. Et on démarre tout de suite par Les Amis de l'Inde à Vigneux-sur-Seine avec la rencontre du styliste indien Avijit Ghosh. Aujourd'hui, on fête le Diwali, la célèbre fête de lumière. Le dîner-spectacle est organisé par les Amis de l'Inde à Vigneux-sur-Seine, l'occasion d'une sortie en tenue de ville ou en costume traditionnel, à l'image d'Anne Lore. C'est une belle soirée indienne et j'avais envie de faire honneur à l'Inde en m'habillant en sari. Pour quelle raison vous aimez l'Inde? Parce que c'est un très joli pays, de belles couleurs, j'aime la nourriture, la culture. Le programme affiche 5 spectacles de musique et danse, une exposition et un défilé inspiré des divinités indiennes. Une collection réalisée par Avijit Ghosh avec ses amis bénévoles dans un style original. Un peu innovant puisqu'il recycle les matériaux qu'il a trouvés en France pour faire des tenues rappelant les dieux indiens. J'interprète la déesse Lakshmi. Et c'est la déesse de la prospérité, de l'argent, du succès. Et je suis habillée en la déesse Durga. Durga, c'est la déesse qui a les 10 mains. Alors, on peut la voir avec 10 mains. Donc, cette déesse, c'est une union de plusieurs dieux. I'm playing the role of Kartik. Kartik is a warrior. And this is my costume. It's related to Hindu mythology, mythological costumes. Lui, c'est le dieu de la guerre et son costume est inspiré à la mythologie hindoue. J'incarne le dieu Krishna, c'est le dieu de l'amour. Il est en général tout bleu, d'où le masque. 5 autres divinités sont stylisées par Avijit Ghosh, un créateur indien depuis peu installé en France, mais déjà diplômé du National Institute of Fashion Technology de New Delhi. Un styliste attentif aux plus démunis, voici son credo. First, I like to take fashion from elite to normal people. Je réalise des vêtements de mode accessibles à tous, surtout pour les plus modestes. Deuxièmement, je veux promouvoir le travail artisanal et utiliser des matières issues du recyclage. Je pense que nous sommes en train de perdre le bonheur d'une vie simple. Revenir au travail artisanal et recycler avec les nouvelles méthodes à notre disposition signifie retrouver, à mon avis, le sens d'une vie plus simple. Le défilé commence avec une participation inédite d'un musicien indien. Je m'appelle Shantanu Dotto. Je vais jouer le folk music de Bengale. En fait, j'ai rencontré avec Avijit avant quelques mois. Et j'ai chanté quelques chants et on a trouvé que le chant, le thème de la chanson, ça va très bien avec le thème de cet spectacle. Et on a décidé de faire comme expériment si ça marche ou pas, je ne sais pas. Thank you.
La collection Mythologie indienne à la mode s'inscrit dans un projet qui comprend la réalisation d'une collection de vêtements contemporains produits à base de matières recyclées. Avijit Ghosh, un créateur de la nouvelle génération, en accord avec son temps. Merci Telesan. Watch Telesan every day and night. Le conservatoire de Grigny vibre au son du trio Frabana, rencontre pendant la répétition de Bara Willy. Puis Frabana, c'est mon village en Afrique, la Guinée-Conakry. Moi, ça fait longtemps que je joue, que j'écoute musique africaine. Et là, c'était toujours sur disque ou en jouant comme ça. Et là, le projet avec Yaye, l'occasion de travailler vraiment avec un musicien africain. Ça fait longtemps que je fais partie d'un groupe des amis réunionnais aussi, hein, de la région. Et puis, ça m'a permis de connaître encore plus les rythmes africains, comme on a à la Réunion. Le rythme dans l'album, c'est vraiment un mix. C'est vraiment... Il y a l'Afrique, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique du Central, et puis un peu Europe aussi, et un peu Amérique latine. Yeye, il avait très envie de mixer la musique africaine avec d'autres sons. Le trio Frabana distille de musique solaire, celle d'un groupe né il y a 2 ans à Grigny, à l'initiative de Yeye Kanté, percussionniste guinéen, entouré de Jean-Bernard Argente au piano et Olivier Fuert aux guitares. On regarde ici une répétition filmée au conservatoire de Grigny, un extrait de la chanson intitulée « Bara Willy », morceau qui ouvre l'album enregistré ici même au studio de Grigny. À l'occasion de la sortie de leur premier album, le trio Frabana est en concert au Centre culturel Sidney Bechet à Grigny, samedi 24 novembre. Bertille est le titre de la nouvelle création de la compagnie Le Main Vide. Rencontre à Pareil Vieille Poste avec la chorégraphe Valérie Mollet. Danse contemporaine à l'avant-scène de Pareil Vieille Poste, la compagnie Le Main Vide présente un spectacle intitulé Bertille, un ballet né de la rencontre de danseurs et de musiciens. De la musique en direct, comment est venue cette idée en fait? Parce que le musicien est vivant, que moi j'aime bien quand il y a des voix aussi, c'est-à-dire que les danseurs soufflent, parlent, respirent, et la musique c'est pareil, ça respire, et donc c'est de l'art vivant. En fait tout le monde est vivant, même la musique. Elle se porte bien en France la danse contemporaine, mais la danse contemporaine c'est plusieurs outils en fait aujourd'hui à disposition des chorégraphes. Donc voilà, et maintenant on peut utiliser effectivement la vidéo, le cirque, les musiciens. Effectivement, c'est de plus en plus un art complet. Par contre, est-ce que ça se porte bien en France, la danse contemporaine? Peut-être pour les grosses compagnies, pour les petites, j'en suis pas certaine. La compagnie Les Mains Vides, elle est née à quel moment? Elle est née il y a 8 ans.
8 ans et c'est une petite compagnie. Et on a joué dans des endroits un peu marginaux parce que problème de subvention, d'argent et voilà, et on résiste. L'objectif, c'est évidemment faire de la scène, mais quels sont tous les projets de cette compagnie en fait? Bah faire de la scène, oui, puis pas forcément des grosses scènes, des scènes, voilà. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas bien la danse contemporaine ou qu'on ait une idée un peu conceptuelle, c'est pénible, c'est conceptuel, ils se roulent par terre, change d'idée au sujet de la danse contemporaine. Ça peut être aussi ludique et s'adresser à tout le monde. Voilà. Des très beaux tableaux pendant toute cette chorégraphie. Notamment, il y a un passage avec un couple d'amoureux. Alors, quelle est la consigne que vous donnez à vos danseurs quand il s'agit de danser des moments aussi intenses, en fait? Et ben d'être le plus sincère possible, de ne pas en rajouter, de ne pas fabriquer et de laisser naître le mouvement, comme ça vient, naturellement, et de s'amuser. La compagnie Les Mains Vides compte à son actif 4 chorégraphies, dont 7 Bertille. Une pièce qui peut être adaptée en plein air. Oh.